Bon Yacine, Charlie, vous savez, moi le doublé historique peut se faire avec le FR Haguenau. Victoire en championnat d'Alsace, plus la Coupe d'Alsace, et les gars, doublé historique! Ah mais la faille, mec, ils ont sorti le Sporting quand même en demi. Je suis avec eux pour la deuxième fois, on va gagner cette finale. Qu'est-ce que tu penses toi de la différence de niveau justement entre ces deux équipes? Ah, je pense qu'il va falloir quand même se méfier des petits, hein. Je pense que la faille a montré qu'ils étaient capables d'arriver là sans voler sa finale. On sait que Haguenau aussi a un très beau potentiel qui est le leader ici. Donc les meilleurs joueurs ne sont pas forcément au plus haut niveau. Il va falloir se méfier, ça va être une belle finale en tout cas. Et que le meilleur gagne, rendez-vous à jeudi. Mais où est le terrain? C'est pas là. Non mais ça c'est pas du foot. C'est pas du foot. Voilà, moi je cherche partout là, je suis perdu là, moi je suis perdu. Retour dans les vestiaires de la faille à quelques jours avant la finale de la Coupe d'Alsace face au FR Haguenau. Je suis pas sûr qu'on se marre autant que la dernière fois. On y va. En gros, c'est plutôt détendu. Ça crache un peu, mais c'est plutôt détendu. C'est Régis qui est là. Oh Luc, tu sais quoi? T'as une chance, je suis encore habillé. Bon, en fait, on a juste un problème, c'est qu'on n'a pas les clés du vestiaire. J'espère juste que jeudi, on pourra aller à Chic et qu'on sera changé, quoi. Bon, Charlie, jour J, la coupe est là. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Par contre, franchement, avec ce soleil, moi j'ai super soif tout de suite là. Bouge pas, j'y vais. Hein? Non, bouge pas, je reste. Ouais, cool, merci, Charlie. Et moi, vous savez quoi? Moi, je me casse avec la coupe. On est une bonne équipe, vous êtes des bons joueurs à partir du moment où collectivement on est rigoureux et discipliné. Mais c'est valable pour vous, c'est valable pour l'équipe de France, c'est valable pour le Barcelone, c'est valable pour tout le monde. S'il n'y a pas de discipline, c'est le foutoir, ça ressemble à rien. Les meilleurs joueurs du monde, ils feront jamais rien. Si on va leur mettre la pression, ils vont faire des mauvais contrôles, ils vont faire des mauvais passes, on va pouvoir en profiter. Après, offensivement, on se connaît maintenant assez, on sait qu'on s'est posé le ballon, on offre des possibilités aux porteurs du ballon. On met du mouvement, on met de la simplicité et on essaie de ressortir le ballon propre et progresser jusqu'au but, ok? Ta carrière sur une belle finale de Coupe d'Alsace. Ouais. Et les larmes, putain, c'est beau. Merci. Bah alors félicitations à Haguenau, dommage, on est passé à deux doigts de gagner la coupe.
Ils ont été meilleurs physiquement et puis ils ont une belle équipe. Ben, rendez-vous à l'année prochaine en coupe. Alors mon Charlie, ouais. Ça fait quoi de perdre? Ben ça fait mal. Ça fait très mal hein. Surtout ouais, que là mal. On finit 3-3. Par contre là il faut pas déconner mec. Ok tu gagnes la finale, mais ça fait 3-1 au bout du compte. Mais en tout cas on a kiffé non? On a kiffé. C'était un vrai première bonheur. Saison qui se termine de double contact. J'espère vous retrouver l'année prochaine. Hein, nous on est là, on sera là. On sera là. À l'année prochaine.